Larry is the cinematographer. This is so embarrassing. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des excès d'acteurs capturés sur le plateau. Wait a minute, he's not going here, David. You're not funny. That's why you reject. Never had no show, never had no movie. Stand still, that's it. Pour cette liste, on va examiner les moments où des personnalités célèbres ont été enregistrées alors qu'elles fulminaient ou se battaient au boulot. Pour cette liste, on va se concentrer uniquement sur les acteurs, car les autres membres de l'équipe de tournage mériteraient bien une liste à part entière. Selon vous, quel acteur a eu raison de péter un câble? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Orson Welles. Welles n'a pas du tout passé un bon moment lorsqu'il a fallu enregistrer une voix off pour des pubs pour Findus en 1970. Every July, fees go there. You really mean that? Des enregistrements en coulisses montrent que Welles se déchaîne après que le directeur lui ait demandé d'accentuer le mot « en ». Au cours du même enregistrement, l'acteur de Citizen Kane a le même problème lorsqu'on lui demande d'accentuer le mot « bœuf ». Welles se plaignait également du script à cause du nom d'un pêcheur norvégien. You don't know what I'm up against, because it's full of things that are only correct because they're grammatical, but they're tough on the ear, you see. This is a very wearying one, it's unpleasant to read, unrewarding. À la fin, sa frustration le dépasse. Si l'équipe d'enregistrement a pu trouver cette séance gravement décevante, de nombreuses émissions, comme Animaniacs, ont parodié cet incident. That's just idiotic, if you'll forgive my saying so. That's just stupid. In July. Impossible. Meaningless. Numéro 9, Clayne Crawford et Damon Wayans. Lorsqu'on voit deux personnages à l'écran qui sont super potes, bizarrement, on s'attend à ce qu'ils le soient aussi dans la vraie vie. Hey, whoa, and what does that mean? Ouais, c'était clairement pas le cas pour Clayne Crawford et Damon Wayans lorsqu'ils travaillaient sur L'Arme Fatale. Les choses ont tellement dégénéré que Crawford a été viré et remplacé par Sean William Scott. Cole, you're on fire! No, man, we both crushed it. No, you are literally on fire, your arm! Après l'annonce, un enregistrement audio du duo original sur le plateau a été diffusé. Les fans de la série ont entendu les deux hommes se disputer quelques instants avant le tournage d'une scène. Crawford tente clairement de taquiner et d'humilier son collègue. Pour aggraver les choses, ceci s'est produit le lendemain du jour où Wayans a été blessé pendant une cascade que Crawford a dirigée. You know, I've seen handle hits better than you did yesterday. Right? Suck me. I mean, that was the biggest move I think I've ever seen. Selon ce qu'on rapporte, de nombreux membres de l'équipe ont démissionné du programme parce qu'ils se disputaient régulièrement. Numéro 8, Joaquin Phoenix. Au fil des ans, Phoenix a été connu pour se mettre vraiment à fond dans les rôles qu'il incarnait. Le public a trouvé qu'il était un poil trop impliqué lors d'une apparition dans l'émission Jimmy Kimmel Live. Did you unpleasant to do? Was that the case? No. No, you had fun making the movie. Yeah. You did. Did. Pendant l'émission, une vidéo est montrée où Phoenix se dispute avec le directeur de la photographie Larry. Il semble que l'acteur ait perdu la tête alors qu'il était entièrement maquillé. Phoenix se montre d'abord gêné d'avoir été pris par surprise par cette vidéo. So it can feel intense, but that was supposed to be private. I'm a little embarrassed. I'm sorry about that. Yeah. Sorry you guys had to see that. I blame Larry. Cependant, le clip n'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il s'avère que Phoenix faisait un prank au réalisateur en prétendant être en colère contre Larry. L'équipe, peu méfiante, a tout filmé. Après tout ce qui a été dit et fait, Phoenix a décidé d'utiliser sa fausse colère pour faire la promotion du film Joker d'une manière unique. C'est pourquoi nous lui donnons une place dans cette liste. Joaquin Phoenix, Joker opens Friday, we'll be right back. Numéro 7, Lindsay Lohan. Depuis qu'elle a débarqué sur nos écrans dans À nous 4, Lohan a connu une carrière mouvementée. En 2013, les choses se sont améliorées avec la nouvelle de son rôle dans The Canyons. So anything's possible, right? Mais son image a été ternie une fois de plus quand l'audio d'une répétition entre Lohan et sa collègue James Dean a été diffusée. On y entend Lohan, agacé, s'en prendre sérieusement à Dean. En jugé par le langage grossier, les deux avaient clairement des problèmes de communication. Selon Dean, Lindsay Lohan n'était pas ravie qu'il fasse une pause dans les films pour adultes pour jouer dans un film hollywoodien. She took it as I don't care and I you know, I'm just there and it doesn't make a difference to me and who cares about the project, which was not accurate, not my intention. On ne sait pas s'ils ont surmonté leur drame en coulisses, mais le film a définitivement fait un bide après sa sortie. Numéro 6, Casey Kasem. Lorsque Casey Kasem n'était pas en train d'incarner des personnages célèbres comme Sammy dans la franchise Scooby-Doo, on pouvait le trouver en train de travailler comme DJ à la radio.
le contenu d'une de ses émissions a vraiment suscité une vive réaction. En 1985, on a demandé à Kassem de lire une demande de dédicace concernant le décès du chien d'un auditeur. This may seem to be a strange dedication request, but I'm quite sincere and it'll mean a lot if you play it. Recently, there was a death in our family. He was a little dog named Snuggles. Sauf qu'il était contrarié que cette déclaration soit censée suivre une chanson relativement joyeuse. Kassem n'a pas retenu ses sentiments sur la colère que lui inspirait la situation. Pendant son discours, il a clairement indiqué que des incidents de ce genre s'étaient déjà produits auparavant. You know, they do this to me all the time. I don't know what the hell they do it for, but god damn it, if we can't come out of a slow record, I don't understand it. Espérons que ses producteurs ont appris de cette erreur et ont évité de déclencher une autre réaction de colère de la part du légendaire Kassem. Numéro 5, Ewan McGregor. La dernière chose qu'un acteur souhaite pendant un tournage, c'est que la presse vienne s'en mêler ou déconcentrer son équipe. Malheureusement, c'était le cas pour McGregor alors qu'il tournait une scène pour la série Netflix Halston. You're him, aren't you? You're Mr. Halston. God bless Jackie Kennedy. Lors d'un tournage dans Central Park à New York, l'acteur s'est apparemment adressé au photographe Steve Sands pour lui reprocher d'être trop bavard et distrayant. McGregor laisse alors échapper un langage, disons peu amical, pour exprimer ses véritables sentiments. Après avoir perdu son sang-froid pendant un moment, l'acteur a repris le tournage d'une scène avec sa collègue Kelly Bishop. Sands aurait déclaré après coup qu'il ne lui en voulait pas. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails, nous vous déconseillons de vous en prendre à McGregor sur le plateau. For everybody, all the time. Numéro 4, William Shatner. En 2007, le Howard Stern Show a publié un clip audio de Shatner faisant la narration d'une pub. Après la première prise, le producteur demande à Shatner d'en faire une autre avec plus d'enthousiasme. L'ancien acteur de Star Trek tente d'abord de rire de la critique de manière condescendante et de recommencer. Lorsque Shatner sent que la prise suivante n'a pas fonctionné, il demande alors au producteur de donner l'exemple. Well, speak up. And maybe you better do it the way you hear it. Do it for me. No, I mean just go ahead. Mais c'est une énorme erreur. Au lieu de faire un effort supplémentaire, Shatner décide de se concentrer entièrement sur le producteur pour se moquer de lui. C'est assez désagréable d'entendre l'acteur s'en prendre sans relâche au producteur. No, I like it better the way you did. I insist that you show me how to do page 2. Really, I mean it. Please read page so I can get an idea of what you want. No, I'm gonna do it the way you think it should go. Shatner a eu un comportement grossier qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Numéro 3, Michael Richards. À un moment donné, Richards était l'une des plus grandes stars de la comédie grâce à son rôle de Kramer dans Seinfeld. I'm out. Il a suffi d'un seul spectacle comique en 2006 au Love Factory pour que toute cette sympathie soit perdue. Pendant le spectacle, Richard se serait mis en colère parce que quelques membres du public le dérangeaient. L'humoriste a fini par perdre son sang-froid et s'est lancé dans une tirade raciste pleine d'expressions horribles, d'insultes et de références à des actes violents. Richards a tenté de mettre fin au scandale en présentant des excuses dans l'émission Late Show with David Letterman. For this to happen, for me to be in a comedy club and flip out and say this crap, you know, I'm deeply, deeply sorry. Sauf que cette apparition maladroite a sans doute aggravé la situation en fait. Dans les années qui ont suivi l'incident, la carrière de Richards ne s'est pas rétablie. Numéro 2, Christian Bale. Lorsque Bale tournait Terminator Renaissance, le directeur de la photographie Shane Hurlbut s'est apparemment placé dans la ligne de regard de l'acteur pendant une scène. What don't you get about it? I was looking at the light. Oh, good for you! And how was it? Quelle erreur! La star s'est alors lancée dans une tirade tristement célèbre. Bien qu'elle soit dirigée contre Hurlbut, toute personne qui tentait de le calmer subissait toute sa colère. That's what that is. That's what that is, man, I'm telling you. I'm not asking, I'm telling you. You wouldn't have done that otherwise. Bale a été si perturbé qu'il a oscillé entre son accent naturel et la voix américaine qu'il prenait pour le film Terminator. Après la fuite de l'enregistrement, Bale s'est excusé et a demandé aux gens de respecter le travail et le dévouement de son équipe. There's really nothing I can say about that I haven't said already. And you know, I have never tried to make any excuses for it. It was unacceptable and I take it, you know, it's my fault, that's it. L'intense diatribe pourrait honnêtement être plus mémorable que le film lui-même si vous me demandez mon avis. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tom Cruise.
la production de Mission Impossible 7 se déroulait en Angleterre à un moment particulièrement stressant de la pandémie en 2020. This is a movie that is months behind in the production because of the pandemic. This is a movie that even after they got going again with production had to shut down again last month because some people tested positive. En raison des risques impliqués, de nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place sur le plateau. Cruise a montré à quel point il prenait les règles au sérieux lorsqu'il a remarqué que des membres de l'équipe se tenaient plus près qu'ils ne le devaient. I don't ever want to see it again. Ever. And if you don't do it, you're fired. Aïe aïe aïe, la star s'en est pris à eux et aux autres personnes présentes sur le plateau en utilisant un langage sévère et en leur rappelant brutalement ce qui était en jeu si le règlement n'était pas respecté. That's it. Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand? The responsibility that you have. Si Cruise a reconnu que sa colère était intense, il ne semble pas exprimer beaucoup de regrets. C'est l'un des rares acteurs à avoir assumé pleinement son débordement. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.